Bonjour Bastian Baker, bienvenue à Montreux. Merci. C'est la première fois que tu joues ce soir au Music in the Park. Tu sens comment? Exact, bah ouais, première fois et puis c'est l'excitation parce que normalement les deux semaines du festival je les passe à regarder cette scène. Et là cette année il y a la particularité où un soir c'est moi qui serai dessus, donc c'est clair que c'est assez génial. Toi, ta carrière, elle a vraiment un peu décollé il y a quelques mois. Tu as fait le Caprice, tu as fait Transat, etc. Comment ça s'est un peu passé et puis comment tu as géré un peu ce succès qui est arrivé du jour au lendemain? Disons que déjà, on s'y attendait pas trop. On a sorti Lucky un peu pour faire de la promo pour le Caprice parce qu'en fait, j'existais pas du tout avant. Enfin, je jouais comme ça un peu mes morceaux. Puis ça s'est un peu emballé. Puis là, je vis ça jour après jour et aujourd'hui, c'est le Montreux. C'est vrai que je suis content d'être arrivé déjà à jouer sur cette scène aussi vite, quoi. Je suis sûr que c'est vraiment un grand privilège. Si on parle un peu de ton titre, Lucky, c'est celui qui tourne le plus sur les radios actuellement, que tout le monde connaît plus ou moins. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce titre, comment tu l'as écrit ? C'est assez simple et assez agréable, dans le sens que j'étais sur la terrasse chez moi avec ma guitare et j'ai trouvé le premier riff à la guitare. Les autres se sont un peu gravés dessus, il y avait ma mère à côté qui m'a dit « Ah ouais, c'est joli !» Et après j'ai mis les paroles dessus, justement elle parle un peu de tout ce qui m'arrive ces temps et c'est vrai que je me trouvais privilégié, j'ai voulu l'exprimer aussi. Et j'ai présenté cette chanson deux jours avant qu'on entre en studio pour... On avait déjà choisi trois titres qui pouvaient être sortis un peu en radio et c'est celui-là qui est venu tous les remplacer parce que c'était un peu un clin d'œil à ce qui m'arrivait puis en même temps un peu un titre de l'été, quoi. Et puis ton album donc, Tomorrow May Not Be Better, qui devrait arriver en septembre, le 9 septembre, c'est ça la date exacte. Tu peux nous en parler un peu et pourquoi ce titre en fait, qui est assez pessimiste en fait. Le titre, c'est le titre d'une des chansons qu'il y a sur l'album. Et ça fait longtemps que je l'ai écrite en fait, et que je m'étais toujours dit que si un jour il y avait un album, ce serait ça le titre, parce que c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a le Tomorrow May Not Be Better, parce que oui, les choses sont pires et tutti quanti, mais il y a aussi le Tomorrow May Not Be Better Than Today, qui est plutôt un truc positif, et j'aime bien jouer aussi sur ce contraste. Il y a l'image Bastian Baker, à côté je suis Bastian Kaltenbacher et je reste Bastian Kaltenbacher. Et ça c'est... Je vois aucune raison de changer ou de me prendre la tête. Donc avec mes potes proches, c'est toujours et ce sera toujours la même chose. Avec ma famille, c'est la même chose. Je continue à débarrasser la vaisselle chez moi, quoi. Alors là, c'est... Il n'y a pas que, disons, l'image Bastian Baker. Ouais, il y a moi derrière. L'année prochaine, c'est on verra. C'est prendre les dates qui viennent, il y a l'album qui sort, ça va déjà être une grande échéance. J'espère que ça va plaire. Il y a pas mal de titres qui sont bien variés, c'est pas tout dans la même veine que Lucky. Et voilà, je pense que l'album et les ventes de l'album vont un peu définir la suite de l'aventure. L'album, disons que ça m'embêterait qu'il marche pas. Enfin, ça fait vraiment 3 mois que je bosse dessus comme un fou, sans arrêt. Et puis, quand tu te donnes corps et âme pour un projet, c'est vrai que t'as envie que ça marche. Après, je peux pas non plus deviner la réaction du public, mais j'espère qu'elle sera bonne. Et merci au Montreux Jazz Festival de m'offrir la possibilité de jouer sur ma scène préférée. Merci à toi. Merci. Et bon concert ce soir. Merci. Cool.